Bah, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu du verglas. Du coup, bah, je suis sorti comme d'habitude. Il y avait l'épreuve du bac blanc là, ça a été reporté du coup. Et tant mieux. Hein. Ouais, je suis sorti de chez moi. Et heureusement qu'il y a des poteaux tous les 2 mètres, hein, parce que je marchais et j'ai commencé à glisser. J'ai fait un 360, je me suis rattrapé un poteau comme un stripteaseur. Et voilà. C'est mal à marcher. Pour monter au lycée, c'est galère. Il y a trop de verglas là aujourd'hui. Pas du tout, j'étais même pas au courant que il allait avoir du verglas et tout ça. J'étais pas au courant. Je suis sortie de chez moi, je suis tombée direct. J'étais pas au courant. En plus, ce matin, je suis tombée juste devant le pont, genre regarder la vidéo. Bah mal, en plus j'avais mon bac blanc, donc ça veut dire que le bac blanc il était annulé et tout, donc j'ai trop la haine, c'est tout. Ben, j'ai déjà vécu ça étant jeune, donc après ça c'est les habitudes, hein, on est habitué, donc voilà. Après si on veut pas glisser, ben faut des chaussures à crampons. C'est un peu étonnant en sortant de chez soi. Je suis un peu cliché, un peu glissé, un petit peu. Oh, c'est un peu stressant, c'est tout. Mais il y a plus grave, hein. Moi, j'ai été surprise ce matin par le verglas. Donc, ma fille m'a prévenu que mon petit-fils est déjà tombé. Donc, je me suis dit qu'elle ne s'inquiète pas puisque moi, je sortais un petit peu plus tard. Et j'ai mis mes chaussures à crampons et j'ai fait doucement. J'ai vraiment bien regardé où je mettais les pieds et je suis arrivée sans encombre en ville.